Le 13 janvier, c'est derrière elle que défileront les opposants au mariage homosexuel. Avec ses tenues roses et ses cheveux ébouriffés, Frigide Barjot, de son vrai nom Virginie Tolène, détonne par son look provoque et sa foi catholique. Ici, dans son appartement, transformé en QG pour le collectif La Manif pour tous, Frigide Barjot joue à la perfection la carte de la communication moderne. Aujourd'hui, avec notre gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, elle dit qu'il faut supprimer la prostitution. Donc, on ne vendrait plus certaines parties du corps, et notamment les parties génitales, mais l'utérus. Je propose qu'il soit plus honnête de ne faire aucunement des enfants différemment que par un homme et par une femme. Cette ancienne étudiante de Sciences Po, issue d'un milieu bourgeois de droite conservatrice, avait pourtant milité en 1999 pour le Pax. Habituée des soirées mondaines, elle chantait aussi dans un groupe de rock les Dead Pompidous. Mais en 2004, elle redécouvre la foi divine, au point de devenir une véritable attachée presse de Jésus et de défiler aux côtés des ultra-conservateurs de Civitas. Je viens de ma religion chrétienne, elle éclaire ma raison, elle éclaire la façon dont j'aime les gens, mais aujourd'hui, c'est ma raison qui parle au monde et qui permet d'être porte-parole d'une partie de la population. Cette population qu'elle représente regroupe des militants socialistes, des homosexuels et plus largement les opposants au mariage homo. Se sentant privés de débats publics sur la loi Taubira, ils souhaitent s'exprimer dans la rue. L'idée, c'est que François Hollande prenne la mesure de l'opinion publique sur ce sujet, qui est encore une fois pas l'amour homosexuel, mais ni l'éducation des enfants par des couples homo, mais le fait que l'être humain ne peut pas demain être décrété, engendré autrement que par un homme et une femme. Voilà. Le projet de loi autorisant le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels sera présenté le 29 janvier à l'Assemblée nationale. D'ici là, le 13 janvier, Frigide Barjot espère bien, avec son collectif, rassembler 300 000 personnes pour faire entendre leur foi.